Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up de façon coréenne. Après le skincare du matin, on passe maintenant au make-up. Pour faire un make-up parfait en moins de temps, vous allez voir quelques astuces qu'on va vous donner aujourd'hui. Premièrement, au lieu d'utiliser un fond de teint, vous allez prendre votre concealer et cacher les taches et les imperfections sur votre visage. Après l'application, vous allez bien tapoter pour unifier votre teint. Ensuite, on passe au contour. Vous allez bien l'appliquer comme sur la vidéo pour bien restructurer votre nez. Après le contour, on passe au highlighter que vous allez appliquer sur le bout du nez, ensuite au milieu, au niveau des yeux et après dans les creux des yeux. Ensuite vient le blush. Vous allez en appliquer beaucoup, beaucoup parce que c'est la tendance en ce moment en Corée du Sud. Non seulement sur les joues, mais aussi sur le menton et sur le front, un peu sur le bout du nez aussi, pour que ça soit parfait. Ensuite, on passe au fard à paupières. Vous allez en utiliser une qui soit de couleur nude ou de couleur pastel. Après, vous allez prendre une fard à paupières un peu plus brillante pour mettre au-dessus. Pour finir, vous allez aussi prendre un eyeliner pour tracer pas l'entièreté des yeux, mais juste la moitié. Après, on passe au aiguille. Aiguille aussi, c'est un must du make-up coréen. Aiguille, vous allez d'abord utiliser un highlighter, ensuite un crayon plus foncé pour tracer votre aiguille. Après, vous prenez une brosse pour estomper le tout pour que ça fasse plus naturel. Et enfin, pour finir, vous pouvez passer aux lèvres et appliquer votre gloss ou votre rouge à lèvres, selon votre choix. Et c'est fini. Vous pouvez voir maintenant un côté maquillé et un autre non maquillé. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!